Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ce sera une vidéo motivation ménage et petite touche de déco d'automne pour la cuisine. Donc là, j'ai déposé les enfants, ils sont tous allés à l'école. Donc là, je vais commencer déjà par mes toilettes. Donc ça, c'est un truc que je fais tous les jours. Soit je mets le produit le soir pour que le matin je frotte, soit tu le mets le matin. Donc là, en l'occurrence, je l'ai mis le matin et je vais le laisser poser autant de temps qu'il me faudrait. Donc je laisse poser le produit et après je m'attaque à la cuisine en attendant. Donc pour la cuisine, j'avais pas vraiment grand chose à faire. Là, vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup de vaisselle. Franchement, j'ai pas beaucoup de vaisselle parce que j'avais déjà fait la vaisselle la veille. Donc la cuisine, elle n'est pas super sale. Là, il y a des miettes de partout parce que il y a eu le petit déj, du sucre qui s'est versé, et puis les enfants ont laissé les caisses de goûter parce qu'ils prennent souvent le goûter pour les récréations et tout. Ils ont un petit creux de temps en temps. Pour commencer, on va déjà ranger ce qui traîne. Donc là, en l'occurrence, c'était des bacs à goûter qu'il fallait ranger. Donc là, je vais les ranger dans l'armoire appropriée. Et ensuite, je vais venir ranger la vaisselle. Alors, c'était la vaisselle de la veille, comme je vous ai dit. Donc, ça a déjà eu le temps de sécher. Je n'ai pas besoin d'essuyer. Je vais le ranger directement. Et voilà, toute la vaisselle de la veille est rangée. Donc, je vais m'attaquer maintenant à la vaisselle de ce matin. Ça va aller très vite parce que, comme vous avez vu, j'ai pas vraiment beaucoup de vaisselle. Il y a beaucoup plus de couverts que autre chose. Quelques tasses du petit déjeuner, quelques verres aussi du petit déjeuner. Donc, je vais venir nettoyer tout ça. La vaisselle est terminée, je vais venir nettoyer tout l'évier, les environs de l'évier, le bac où je mets les éponges et tout ça. Je vais nettoyer en profondeur afin que la cuisine soit nickel et pour éviter aussi les mauvaises odeurs. Une fois que l'évier est bien nettoyé, je vais venir utiliser une lingette pour accélérer en fait le séchage de l'évier. Pour mon plan de travail, je vais utiliser ce produit-là de chez Action, le Kitchen Cleaner. Je vais venir asperger partout et je vais passer le microfibre. Donc aujourd'hui, je ne vais pas nettoyer à fond avec les produits appropriés ma plaque d'induction parce que je l'avais fait déjà la veille. Comme je vous avais dit, la cuisine, elle avait déjà été nettoyée la veille. Donc aujourd'hui, je vais juste passer le produit de chez Action par-dessus et ça sera nickel. Donc là, j'ai nettoyé tout le plan de travail avec un chiffon microfibre. Je vais aller le rincer et après, je vais passer au micro-ondes. Je vais vraiment passer un coup, mais vraiment vite fait au micro-ondes avec une lingette mouillée, tout simplement. Donc là, j'ai fini avec le plan de travail. Je vais venir faire une toute petite décoration, mais toute petite. Je vais juste changer les serviettes. Donc les torchons, je vais les changer. Je vais mettre celles que j'avais achetées chez Action, juste parce que ils ont une couleur automnale. Donc ça va faire un petit peps à la cuisine. Alors, la seconde touche que je vais apporter, c'est tout simplement ce vase que j'ai chopé chez
Primark. Alors, c'était dans le rayon décoration maison. C'est censé être un pot quoi, de décoration pour le salon. Il m'a coûté 10 euros, franchement. Quand je l'ai vu direct, j'ai pensé à ce que j'allais en faire pour ma cuisine. Donc, je le trouve tout simplement magnifique. Bon, le focus, il voulait pas se faire sur le prix, mais sachez que je l'ai eu à 10 euros chez Primer. Il est vraiment de très très bonne qualité, franchement. Il est d'une qualité exceptionnelle. Franchement, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc avant de l'utiliser, je vais déjà le laver, l'essuyer et puis je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Donc l'idée c'était de mettre tous mes couverts en bois dans ce vase. Je trouve que ça apporte une touche mais que j'adore, une touche mais vraiment chaleureuse et tout ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je vais mettre tous mes couverts en bois sur le plan de travail et comme ça, j'aurai pas à aller chercher à chaque fois que j'ai envie de cuisiner ailleurs. Donc ça sera tout près de ma plaque. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis ravie. Juste un petit truc qui change quoi. Change la cuisine. Ça apporte un autre mood en fait à la cuisine. Et là, je suis vraiment ravie. J'ai pas dépensé une fortune pour changer la déco de ma cuisine. J'ai apporté que quelques touches. Et voilà. Là, je vais venir sécher toute la petite vaisselle que j'ai faite. Donc, je vais essuyer à l'aide d'un chiffon. Je vais tout essuyer et ensuite, je vais ranger. Quand je finis de ranger tout ça, je fais mon sol et je repars dans les toilettes. Je passe mon aspirateur. Je nettoie mon sol avec le Swiffer. Je l'aime trop parce qu'il est moins lourd, il n'est pas encombrant. Il est vraiment. Franchement, quand on a envie de faire le ménage rapidement, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'idéal. La cuisine est nickel. Elle est nettoyée, elle sent bon, elle est propre. Là, je vais venir remplir la bouilloire parce que j'en aurai besoin pour les toilettes. Je vais faire une astuce avec de l'eau chaude. Donc, je vais déjà la préparer pendant que je vais me mettre à nettoyer les toilettes. Donc, le produit a eu le temps d'agir. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai frotté, j'ai nettoyé les plinthes, mais malheureusement, mon appareil n'a pas filmé tout ça. Et je suis désolée, donc vous n'allez pas pouvoir voir cette partie-là. Mais en tout cas, sachez que j'ai déjà tout frotté, j'ai nettoyé les plinthes. Là, j'ai renversé de l'eau bouillante sur la brosse. Toujours dans le but de désinfecter. Et là, je vais utiliser ce spray-là de chez Castorama. Donc, ce spray, il désinfecte également. Et surtout, il désodorise. Donc, c'est un 2 en 1. Là, je vais désodoriser aussi le petit truc qui sert, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui sert à mettre le rouleau de papier toilette. Je vais installer le nouveau papier toilette parce que ça, c'est souvent maman qui le met. Je ne sais pas pourquoi tout le monde oublie de remplacer un rouleau. Mais bon, voilà. Donc là, les toilettes sont désinfectées. Ils sentent super bon. Et surtout, ils sont propres. Il reste plus qu'à passer un bon petit coup de Swiffer pour nettoyer le sol et ça sera nickel. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a motivé et on se dit à une prochaine fois. Surtout, 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 portez-vous bien. À bientôt.